mes impressions par rapport au lancement. Je me suis sentie entourée d'amour, d'énergie positive. Les gens avaient le goût d'être là. Les gens étaient contents d'être là. Et moi, j'ai du contentement. Je suis contente d'avoir fait découvrir cet album-là aux gens qui étaient ici. Maintenant, je veux juste souhaiter que le plus de gens dans le public puissent le découvrir. Donc, mon impression, je suis comblée d'amour et de bonheur. La question est extrêmement pertinente et j'ai une preuve vivante de ça. Ma mère, qui est un baby boomer, n'a jamais écouté de musique rock ou de musique métal de sa vie parce qu'elle se sentait agressée par cette musique énergique, cette musique d'homme vraiment viril. Donc moi, il y a certaines chansons rock que j'aime depuis toujours, mais je ne peux pas écouter cette musique-là en présence de ma mère parce qu'elle se sentait agressée. Et là, elle a mon album, donc ma mère ne connaît pas ces chansons du tout. Pour elle, ce sont des nouvelles chansons. Elle ne redécouvre pas les chansons, c'est pas pour elle une relecture. Elle découvre de nouvelles chansons et là, elle est en amour, que c'est beau les textes, que c'est touchant, les mélodies, c'est incroyable. Donc, pour répondre à votre question, je suis convaincue que les gens qui n'ont jamais porté oreille aux musiques rock, étant plus jeunes, vont peut-être tendre l'oreille parce que la façon que je propose ces chansons-là est beaucoup moins peut-être agressante pour eux. Il y a une certaine douceur, il y a une certaine... En fait, il y a une féminité, donc quand on va dans la féminité, c'est sûr qu'on va plus dans la douceur. Et je suis à peu près convaincue que la génération des baby boomers vont découvrir ce répertoire qu'ils n'auraient osé écouter peut-être à l'époque. L'évolution, c'est une évolution naturelle. En tant qu'artiste, en tant que femme, en tant qu'être humain, je veux évoluer tout le temps, tous les jours de ma vie, apprendre, découvrir. Je suis d'une nature curieuse. Donc, cet album-là, c'est le... Comment je pourrais dire, le chemin parcouru depuis l'album que j'ai fait en 2009, mais aussi le chemin parcouru depuis que je chante. Je chante depuis que j'ai 16 ans. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie de chanteuse, mes cours de chant, mes 10 ans en chant classique, mes comédies musicales, des spectacles plus avec des troupes de théâtre où je chantais, les spectacles où j'ai chanté plus comme chanteuse populaire, tout ça, c'est un bagage qui s'est accumulé pour moi comme chanteuse. C'est formidable d'être chanteur parce que tout le bagage de la vie s'accumule au bagage professionnel. Je suis maman, j'ai une famille, j'ai un enfant. Et tout ça, je pense que je peux le transposer aujourd'hui dans ma musique. Donc, pour moi, c'est juste une évolution naturelle, une évolution de l'humain, la femme que je suis aujourd'hui, que je suis devenue. C'est le signe d'un avenue, parce que je pense qu'il y a une vraie démarche artistique derrière l'album. J'ai voulu faire des chansons. J'aurais pu faire des reprises pour faire des reprises, du copier-coller, mais c'était pas mon intention. Je voulais vraiment une démarche artistique, une réflexion derrière les chansons. Comment on les amène ailleurs? Comment on les transforme? Comment on peut sublimer ces beaux textes-là, les belles mélodies? Comment on peut rendre ça beau? Comment je pourrais dire? Puis faire que ça colle, puis qu'il y a une vérité par rapport à ce que je suis. Et aussi, on a voulu sublimer au niveau de l'image, au niveau des vêtements, au niveau du maquillage, coiffure, parce que je veux offrir du rêve, je veux faire rêver les gens. Puis c'est sûr que maintenant, d'offrir ça, j'essaie d'offrir quelque chose de très, très différent au public. Mais là, je ne peux plus revenir en arrière. Brigitte M, aujourd'hui, c'est devenu ce que vous voyez à travers From Metal to Crystal, à travers ce que je suis physiquement, à travers l'imagerie de tout ça. Mais c'est ce que je veux faire en tant qu'artiste. C'est vraiment là que je veux aller et je veux grandir et évoluer à travers ça le plus loin et le plus longtemps possible. Pour terminer, c'est que j'espère que cet album-là vous fera autant de bien à écouter que moi j'ai eu du plaisir et du bonheur à le faire. Je l'ai fait avec amour, avec passion, avec, comment je pourrais dire, une énergie lumineuse. J'étais dans le bonheur, dans la joie, et je veux que cet album-là offre une espèce de paix, que ce soit comme un apaisement quand les gens vont l'écouter, que ça leur fasse du bien, que ça les emplit, que ça leur donne des émotions. C'est ce que je souhaite faire à travers les interprétations de ces différentes chansons. Aujourd'hui, moi, je connais quand même Brigitte Marchand depuis un petit bout. Et ce soir, j'ai retrouvé la femme Brigitte Marchand, mais dans toute sa splendeur. Non seulement j'ai trouvé que Brigitte était magnifique, mais j'ai beaucoup aimé son univers. Et j'ai adoré la vidéo de Momo et Krila. Pour moi, c'est deux magiciens. Et je pense qu'on fait ressortir vraiment le meilleur de Brigitte.
Et quelle femme complète! Et on sent que Brigitte est très heureuse et épanouie dans sa vie. Et on le sent quand elle chante. Et c'est une des grandes voix du Québec, Brigitte aime. Et on n'a pas fini de l'entendre. Et évidemment, mon coup de cœur, c'est Too Much Love Will Kill You. Depuis le début, pour moi, en fait, depuis que je suis petite, c'est une chanson que j'adore. Et là, ben vraiment, d'avoir sur CD et en plus chanté par Brigitte M, c'est merveilleux. Je t'embrasse, Brigitte. C'était vraiment génial. Moi, j'ai trippé. C'est surprenant comme affaire, Brigitte M. J'ai assisté au premier lancement, puis le deuxième, c'est toujours aussi flyé. J'aime ça, moi, des choses comme ça. Puis belle salle aussi, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré, c'était bien présenté. Ma mère, s'exprimait bien. Elle est très bien fait ça. Je sais. Quasiment ma petite soeur. Je te suis depuis belle lurette. C'est fantastique. T'es belle, t'es bonne, t'as une voix extraordinaire, magique. J'adore ce que tu fais. Lâche pas, puis je t'encourage à continuer, à persévérer, puis d'être toujours aussi extraordinaire. Je t'aime. Bravo, Brigitte. Excellent travail. Je pense qu'enfin, t'as trouvé ce qui te ressemblait. Bravo. Audacieux, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est même un peu vintage, puis ça vient me chercher, puis je suis un peu plus jeune, donc bravo, vraiment très efficace. Ben, disons qu'on a été, on faisait partie du projet depuis le début, donc vraiment de la conception au projet From Metal to Crystal, mon équipe et moi, donc Momo et Sébastien, avec notre compagnie qui s'appelle Crimo Media, on a conçu un espèce d'univers pour Brigitte M, qui était vraiment une balance entre le cristal et le métal, donc un univers sombre et un univers très éclairé. Et de ça, on a continué donc, dans les photos, dans la présentation visuelle, dans les vidéos aussi. Et on espère que ça va continuer aussi à évoluer. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment une progression du concept original. Donc ça prend combien de temps? Ça prend à peu près 3 jours de pré-prod et bon, une journée de shoot et plusieurs jours de post-prod. Donc c'est ça, à peu près ça. Ben, de partir d'une chanson comme I Was Made for Loving You et de la déconstruire et de la mettre dans un autre contexte, être faite pour aimer quelqu'un, déjà il y avait une connotation spirituelle. Donc, quand on est allé visiter les différents endroits, Brigitte avait beaucoup trippé sur l'église et nous aussi, on a trippé sur cette idée-là. C'est grandiose et en même temps spirituel, donc c'est ça qui nous a guidés à faire la vidéo là-bas. Dans toute sa splendeur, non seulement j'ai trouvé que Brigitte était magnifique, mais j'ai beaucoup aimé son univers et j'ai adoré la vidéo de Momo et Krila. Pour moi, c'est deux magiciens et je pense qu'ils ont fait ressortir vraiment le meilleur de Brigitte. Et quelle femme complète! Et on sent que Brigitte est très heureuse et épanouie dans sa vie et on le sent quand elle chante. Et c'est une des grandes voix du Québec, Brigitte aime, et on n'a pas fini de l'entendre. Et évidemment, mon coup de cœur, c'est Too Much Love Will Kill You. Depuis le début, pour moi, en fait, depuis que je suis petite, c'est une chanson que j'adore. Et là, ben vraiment, d'avoir sur CD et en plus chanté par Brigitte M, c'est merveilleux. Je t'embrasse, Brigitte. C'était vraiment génial. Moi, j'ai trippé. C'est surprenant comme affaire, Brigitte M. J'ai assisté au premier lancement, puis le deuxième, c'est toujours aussi flyé. J'aime ça, moi, des choses comme ça. Puis belle salle aussi, c'est vraiment incroyable. J'ai adoré, c'était bien présenté. Ma mère, s'exprimait bien. Elle est très bien fait ça. Je sais. Quasiment ma petite soeur. Je te suis depuis belle lurette. C'est fantastique.
belle, t'es bonne, t'as une voix extraordinaire, magique. J'adore ce que tu fais, lâche pas, puis je t'encourage à continuer, à persévérer, puis d'être toujours aussi extraordinaire. Je t'aime. Bravo Brigitte, excellent travail. Je pense qu'enfin t'as trouvé ce qui te ressemblait. Bravo. Au truc, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est même un peu vintage, puis ça vient me chercher, puis je suis un peu plus jeune, donc bravo, vraiment très efficace. Ben, disons qu'on a été, on faisait partie du projet depuis le début, donc c'est vraiment de la conception au projet From Metal to Crystal, mon équipe et moi, donc Momo et Sébastien, donc avec notre compagnie qui s'appelle Crimo Media, on a conçu un espèce d'univers pour Bridget M, qui était vraiment une balance entre le cristal et le métal, donc un univers sombre et un univers très éclairé. Et de ça, on a continué donc, dans les photos, dans la présentation visuelle, dans les vidéos aussi. Et on espère que ça va continuer aussi à évoluer. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment une progression du concept original. Donc ça prend combien de temps? Ça prend à peu près 3 jours de pré-prod et bon, une journée de shoot et plusieurs jours de post-prod. Donc c'est ça, à peu près ça. Ben, de partir d'une chanson comme I Was Made for Loving You et de la déconstruire et de la mettre dans un autre contexte, être faite pour aimer quelqu'un, déjà il y avait une connotation spirituelle. Donc, quand on est allé visiter les différents endroits, Brigitte avait beaucoup trippé sur l'église et nous aussi, on a trippé sur cette idée-là. C'est grandiose et en même temps spirituel, donc c'est ça qui nous a guidés à faire la vidéo là-bas.